Bonjour et bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet épineux, de la lune noire qui transite actuellement dans le signe de la Vierge et à partir, on va dire, globalement du mois d'octobre 2023 jusqu'à peu près en avril 2024, la lune noire va être principalement dans le signe de la Vierge. Alors, pourquoi est-ce que je dis global? Pourquoi est-ce que je dis principalement? Parce qu'en fait, la lune noire n'a pas un elliptique ou n'a pas une manière d'avancer sur la roue astrologique qui est très, très stable. En fait, elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Elle passe dans le signe d'avant, c'est-à-dire le lion de temps en temps. Elle passe dans le signe d'après, c'est-à-dire la balance de temps en temps, puis revient en vierge. Donc globalement, les 9 mois après le mois d'octobre 2023, la lune noire sera principalement dans le signe de la Vierge, ce qui n'empêchera pas d'aller faire un petit coucou au lion ou d'aller faire un petit coucou à la balance pour ensuite revenir. Et après, la lune avancera à partir d'avril plutôt dans le signe de la balance pour 9 mois, etc., etc. Donc en gros, si vous voulez, au niveau du temps, la lune reste à peu près, elle met à peu près 9 ans pour faire tout le tour de la roue zodiacale. Donc globalement 9 ans, 10 ans. Après son passage en vierge, là, 2023-2024, elle sera de nouveau en vierge. Et 9 ans, 10 ans avant, elle a aussi été en vierge. Donc, on va voir un petit peu les dates de tout ça. On va voir qu'est-ce qu'une lune noire? Qu'est-ce qu'une lune noire en vierge? Comment elle peut être importante dans les transits qui arrivent pour nous tous? Comment elle peut être importante dans votre thème natal à vous? Selon ce que vous avez, par exemple, dans le signe de la Vierge. Donc, on va voir un petit peu les transits principaux dans le signe de la Vierge depuis les 60 dernières années. Voilà, ce qui veut dire que vous allez avoir dans votre thème des planètes en Vierge et donc elles vont être transitées par la Lune Noire. Et donc, il y a une ombre de ces énergies de planètes qui va peut-être être révélée par le passage global de cette Lune Noire pendant les 9 prochains mois. Donc voilà, l'idée ce sera un peu d'analyser ça aussi. Si vous voulez savoir, avoir une opinion, peut-être la mienne, ou sinon vous allez sur d'autres chaînes astro, si vous voulez avoir une opinion, une interprétation de votre lune noire en signe, en thème natal, moi je vous recommande cette vidéo aussi. Donc c'est la lune noire en signe, en thème natal. Elle existe déjà sur YouTube, sur AstroCaca, hein, et donc vous pouvez aller vous renseigner pour savoir quels effets peuvent avoir votre lune noire dans le signe où elle est chez vous. Donc une lune noire, hein, il se trouve que ça c'est un petit peu comment on peut représenter ce qu'est une lune noire, ce que représente une lune noire dans l'espace. En fait, une lune noire, c'est un point fictif, comme sur le planisphère, l'équateur, c'est un trait fictif, hein, qui n'existe pas. Hein. N'essayez pas d'aller visiter l'équateur ou le tropique du Cancer ou du Capricorne, ça n'existe pas. Mais c'est un point fictif qui permet de quantifier où la Terre est coupée en deux sur l'endroit qu'on appelle l'équateur. Ici, on a... donc la lune noire, c'est ça. C'est ce point-là. Alors, à quoi ça fait référence? On a la Terre ici. Voilà. Donc, la Lune qui transite ici autour de la Terre. Si vous voulez, vous voyez la Lune noire ici. Donc, la Lune, elle n'est pas toujours à la même distance de la Lune noire, si vous voulez. Le centre de l'ellipse de la Lune est un petit peu à côté de la Terre. Donc, la Terre va être d'un côté. Et la symétrie de la Terre par rapport à l'elliptique de la Lune, ça va être justement le foyer vide, donc la Lune noire. Et cette Lune noire, sur la carte astrologique, elle vient de là. Donc, c'est un peu, moi je vois, au niveau interprétation, un petit peu comme si c'était votre jumeau maléfique, la Lune noire, ou le jumeau maléfique de ce qui se vit concrètement dans nos incarnations terrestres. Et donc, ce jumeau maléfique, selon le moment de l'année où on est, il va se situer à certains endroits de la carte. Et selon l'année où on est ou la période où on est, par exemple ici en 2023-2024, la Lune noire, elle va se centraliser sur un signe en particulier. Et là, ça va être le signe de la Vierge. Donc, sur une carte astrologique, vous avez la Lune noire, par exemple, elle va être ici. Voici le coupable, la Lune noire, qui est ici, dans le signe de la Vierge. Donc, une lune noire, c'est un point, en interprétation, c'est un point inconscient. On a une lune noire, on vit avec, on l'a dans un signe, et on s'en rend pas nécessairement compte. Mais la lune noire implique
un problème à résoudre et à conscientiser. C'est ça l'intérêt d'un placement de lune noire dans un thème astrologique. Quand la lune noire est en transit, elle met en avant cette ombre du signe, ici du signe de la Vierge, cette ombre du signe qui est à conscientiser, à révéler. Donc il faut prendre conscience du fait qu'on a peut-être collectivement dans la période qui arrive un souci avec le signe de la Vierge, donc ce que représente cette énergie, et qu'il va falloir qu'on creuse un petit peu pour comprendre mais en quoi ça nous empêche, et en quoi ça nous empêche de révéler dans nos vies collectives la lumière de ce signe de la Vierge. Donc il faut comprendre l'ombre du signe de la Vierge, la lumière du signe de la Vierge et la fonction du signe de la Vierge. Et donc aller chercher plutôt du côté ombre pour savoir mais qu'est-ce qu'il y a à révéler dans cette période de 9 mois à partir d'octobre 2023, globalement jusqu'en avril 2024. Alors, une ombre à conscientiser, je développe souvent cette image, vous l'avez peut-être déjà entendu si vous suivez cette chaîne, c'est vous êtes en bagnole, il y a une bagnole dans votre angle mort, elle dépasse pas, voilà, vous êtes à 130, vous avez mis le limitateur de vitesse pour ceux qui en ont, c'est un peu dangereux parfois d'ailleurs, il y a eu des accidents. Bon, vous mettez votre limitateur de vitesse et puis l'autre bagnole, elle vous dépasse, mais elle est à 0,0001 km/h de plus que vous, elle reste dans votre angle mort. Tant qu'il n'y a pas de souci, que vous allez tout droit, voilà, vous vous rendez pas compte qu'elle est là, cette ombre qui pèse quelque part sur vous. Mais quand vous voulez déboîter pour dépasser, pac, c'est l'accident, et là, mince, j'avais une bagnole dans mon angle mort. Et bien l'angle mort, c'est ça, c'est la lune noire. Et bon, pour conscientiser une lune noire, on a ce qu'on appelle un point priap, qui va être diamétralement opposé à la lune noire. Donc si ici on a par exemple sur cette carte une lune à 7 degrés, lune noire à 7 degrés du signe de la Vierge, à 7 degrés du signe du Poisson, à peu près ici, on aura le point priap. Et donc, ce point priap, c'est pas le problème en soi, mais c'est une manière de prendre du recul sur le problème et de pouvoir éventuellement conscientiser le problème qui reste ici et qui reste en Vierge. Donc, c'est comme sur l'image de la voiture, si vous faisiez un tour d'hélicoptère, que vous alliez au-dessus, et puis que avec une vue de loin, ou que vous alliez sur une colline plus loin, avec une vue de loin, vous voyez bien qu'il y a une bagnole qui est sur la gauche, qui ne dépasse pas, et qui est dans l'angle mort de votre voiture, de votre véhicule terrestre à vous, voilà, de votre incarnation. Donc, c'est intéressant de prendre du recul. Et prendre du recul, ça peut se faire de plein de manières. Ça se fait sur la carte astrologique, mais par exemple, si vous avez quelque chose, un souci que vous ne conscientisez pas nécessairement, peut-être qu'autour de vous, vous avez des amis, des gens bienveillants, qui vont peut-être mieux voir votre lune noire que vous, et comme ils sont bienveillants avec vous, ils vont amener le sujet, tiens, tu sais, j'ai remarqué quand même que, t'avais un petit souci avec le fait de vouloir, j'en sais rien, je prends un truc peut-être typique, vierge, un peu maniaque, bon, t'as tendance à tout collectionner, dès que tu vois un truc, tu veux le collectionner, t'as tendance à être un petit peu maniaque sur certains trucs, bon, je te le dis parce que voilà, des fois ça nous pèse aussi un petit peu parce que quand on peut pas passer un bon moment parce que tu es en train de ramasser toutes tes miettes pendant qu'on parle, c'est un peu stressant, voilà, donc ça peut être, bon, c'est un exemple pourri, mais ça peut être un des problèmes de l'ombre de la Vierge. Alors on va y venir, l'ombre de la Vierge. Ça peut être, en fait, la Vierge, il faut prendre ça comme la forme. Il y a le fond et la forme. La Vierge, c'est la forme. C'est une façon de faire. C'est une manière de fonctionner. C'est une manière de s'organiser. C'est vachement là-dessus l'énergie Vierge. C'est une énergie qui a besoin de comprendre. C'est maîtrisé par Mercure, donc le messager des dieux. Je comprends et quelque part aussi, je diffuse, je communique, j'ai un message à donner. Mais ici, l'idée, c'est de réussir à être dans un côté logistique, à organiser le chemin du message, à comprendre où on en est, à essayer d'analyser où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, essayer d'ordonner les choses, d'ordonnancer les choses. On est sur une énergie de ménage, on est sur une énergie de rangement, on est sur une énergie de discernement, du bon grain de l'ivraie, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder. Donc on organise et c'est vraiment la forme qui va permettre quelque part de canaliser le fond. Donc la Vierge, ça va être le contenant, et le contenu, ça va être plus en face, du côté du point priap de la lune noire, donc du signe des poissons. Donc les poissons, c'est finalement, c'est les espoirs, les croyances, les idéaux, et avec la Vierge, ils forment un axe opposé complémentaire qu'on appelle l'axe des limitations. Le signe des poissons va, et ça peut être une des solutions pour conscientiser une lune noire en Vierge, aller chercher, mais finalement, cette forme, cette manière de faire, cette structuration, cette organisation, on l'a fait au nom de quoi? On l'a fait au nom de quelles croyances? On l'a fait au nom de quels idéaux? On l'a fait au nom de quelles aspirations profondes au final?
Quelles sont nos envies, nos souhaits, nos espoirs profonds qui sous-tendent ce qu'on va faire, ce qu'on va organiser, ce qu'on va canaliser. Voilà. Donc c'est un canal, hein. La Vierge creuse un canal. Et à un moment donné, si on creuse un canal, c'est bien qu'il faut foutre de la flotte dedans. Et la flotte, c'est l'émotionnel. C'est le sens, le fond qu'on donne à cette forme qu'on organise, qu'on administre et qui va permettre de canaliser ce fond. Donc quand on a un problème avec la Vierge, on a un problème avec des codes de fonctionnement. Parfois les siens, hein, on a un côté maniaque, perfectionniste et qui est plus pesant qu'autre chose, et dans l'axe délimitation, on va finir par s'enfermer dans nos codes, dans nos manières de fonctionner. Et puis on peut aussi rencontrer les codes enfermants qui viennent des autres autour de nous, où il y a des gens qui vont nous dire ah ben c'est comme ça qu'on fait, mais c'est pas autrement, oh là là, mais il faut être bien propre, il faut être méticuleux, il faut avoir le sens du détail, et puis sinon c'est pourri, et sinon ce que tu fais ça vaut rien. La Vierge comme ça, elle a un petit côté nazi, voilà. Elle a un côté, il faut que ce soit pur, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit, voilà, hein, tout parfait. Hein, c'est très, voilà, très rangé. Et parfois, trop de rangement tue le rangement et trop de contrôle mental tue le contrôle. Et le contrôle ne vaut plus rien parce qu'on se fait des tout petits tiroirs, des toutes petites cases et on ne peut plus rien ranger dedans et on ne peut plus foutre aucune flotte dedans à part des micro-gouttes de colibri qui servent à rien. Donc du coup, en fait, son rangement, son organisation, elle tue tout sens, en fait. Et donc, dans l'axe des limitations, le poisson a aussi besoin de la Vierge, justement, pour tout océan émotionnel. Donc, l'eau, c'est les émotions, c'est le sens qu'on donne aux choses, les espoirs, les croyances. Même les océans ont des frontières. Sinon, on ne pourrait pas distinguer ce que c'est le Pacifique, ce que c'est l'Atlantique. Donc, du coup, il faut pouvoir mettre des limites à ça pour quantifier et qualifier le sens qu'on donne aux choses. Et ça, ça se fait aussi en canalisant ces émotions et en les amenant quelque part grâce à l'énergie vierge. Donc quand vous avez globalement une lune noire en vierge, et ça va être sur cette période, on va tous devoir travailler le fait quelque part de comprendre, mais au fond, on a envie d'organiser, de rendre pragmatique, pérenne, terrien, concret, des espoirs qu'on a. Hein. En plus, en ce moment, on a Saturne qui est en poisson, qui met déjà de la terre dans l'eau, qui met déjà du concret, et le fait de vouloir construire des choses selon une réalité concrète, des choses réalisables, mais qui correspondent à nos croyances et à nos idéaux poissons. Alors du coup, ça peut aussi générer des désillusions, parce que parfois, on faisait des plans sur la comète, on avait très très envie de sauver le monde en devenant un X-Men, et puis ben, la réalité concrète, elle nous fait nous rendre compte que finalement, on n'arrive qu'à trouver le déguisement, mais on n'a pas les super pouvoirs. Donc on n'a que le folklore, on a que le contenu, mais pas l'ivresse, quoi, quelque part. Donc voilà, ça nous ramène un peu aux réalités. Et peut-être que ici, dans cette période-là, de octobre 2023 à globalement avril 2024, ben, on va pouvoir peut-être conscientiser le problème qu'on a avec les codes de fonctionnement, les nôtres, ou peut-être les codes enfermants des autres, les manières de faire un peu qui ne nous correspondent pas. Donc il s'agit de trouver sa manière de faire. Mais pour trouver sa manière de faire, il faut aller voir sur le poisson en face, l'énergie des poissons en face. Mais au nom de quoi? Voilà, pourquoi? Pourquoi j'ai envie d'organiser quelque chose? Pourquoi j'ai envie de me ranger, de comprendre ce que j'ai dans la tête? Pourquoi j'ai envie de me sentir utile? Pourquoi j'ai envie de m'utiliser? Mais parce que j'ai des envies. Et donc, il faut se guider, et ça va être très important sur cette période. Quand on fait quelque chose, quand on essaye de rendre quelque chose de pragmatique, quand on essaye de canaliser ses émotions, ben, il faut essayer de comprendre c'est quoi ces émotions. Et en fait, il faut comprendre l'envie quelque part, l'espoir, les aspirations, l'inspiration qui sous-tendra ben, ce qu'on veut organiser, ce qu'on veut canaliser, ce qu'on veut faire hein, pour nous utiliser, pour nous sentir utile. Alors, l'ombre du signe de la Vierge, ça peut éventuellement représenter ben, les problèmes avec la notion de service, hein, se sentir utile, éventuellement avec la notion de santé. Alors, j'en reviens à un petit exemple, petite illustration personnelle. Il se trouve que justement, en cette période de Vénus, de lune noire en Vierge, je dis Vénus parce qu'il y a Vénus en Vierge en ce moment, Vénus c'est le corps aussi. Hein, donc Vénus qui est en Vierge du 9 octobre au 8 novembre, il me semble, 2023. Donc là, il y a une notion de corps, donc le corps et la santé, hein, comprendre comment on se sent bien, comprendre son bien-être, son bien-être avec les autres aussi, parce que Junon va pas tarder à rentrer dans le signe de la Vierge, hein, avec ses liens affectifs, comment on est bien, comment,
comment on comprend ça, comment on le range dans sa tête, comment on analyse, comment on sépare le bon grain de l'ivraie, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qui on n'aime pas, avec qui on a envie d'être, on a envie de se faire des câlins, avec qui on a envie un peu de dégager parce qu'il nous a saoulé avec ses codes de fonctionnement qui ne nous correspondent pas. Bon, là, le petit exemple, c'est, voilà, j'ai ma femme, elle est allée chez le médecin parce qu'elle est tombée malade, voilà, parce que, bon, elle travaille avec des gosses, et puis les gosses, ils ont des microbes, et puis ils ont fusionné les microbes, donc jusqu'ici, tout va bien. Eh bien, pour aller chez le médecin, par exemple, dans cette période, Vénus en Vierge avec Lune noire en Vierge, les médecins lui ont dit, non, mais il faut faire un test PCR pour aller chez le médecin. Alors elle dit, oui, bon, j'ai pas, les pharmacies là sont fermées tout de suite, c'est midi, je peux pas venir, non, il faut un test, parce que, voilà, il faut un test, bon, il faut soutre un truc dans le nez, et donc ils lui ont dit, venez et attendez dehors, voilà, elle n'a pas le droit de rentrer, le médecin a été la chercher dehors, quoi, pour qu'elle puisse voir le médecin, et là, il a fallu montrer patte blanche, vous avez fait votre test, donc, il y a ce côté très contrôle, très souci par rapport à la santé, qui très un petit peu enfermant, hein, quelque part. Et bon, ça nous rappelle les plus belles heures du Covid, évidemment. Alors, elle n'avait pas de masque, hein, parce que on a un peu oublié ces masques qui servent, pour moi, après, c'est mon opinion, ça sert surtout de doudou, hein, parce que visiblement, c'est sur la notice que ça ne protège pas des virus. On n'a jamais mis de masque avant. En Asie, ils les mettaient, mais plus pour la pollution, en fait, hein, la pollution. Peut-être que, voilà, a priori, les masques qu'on mettait, hein, pas les gros masques, là, les becs de canard, tout ça, ou les c'est les je sais plus comment ça s'appelle, les masques là, les bleus qu'on avait, ils servent à peu près à rien, si ce n'est à distinguer les gens qui ont peur des autres, quoi, voilà. Et après, voilà, juge pas, chacun met les masques qu'il veut, prend les vaccins et les traitements qu'il veut, c'est pas mon problème, voilà, tant qu'on m'oblige pas, moi. Bon, là, du coup, il fallait un masque, hein, pour aller chez le médecin. Alors ça revient, visiblement, il y a des gens qui ont peur, visiblement le médecin avait très peur, hein, d'être contaminé. Alors peut-être qu'il fallait pas que cette personne fasse médecin si elle a peur des malades et des maladies, hein, peut-être. Voilà, c'est comme si on est chirurgien et qu'on a peur du sang, c'est un peu compliqué. Mais après, on a tous nos qualités et nos défauts. Après, c'est bien d'essayer de faire un métier où on a des qualités qui correspondent. Bon, visiblement, voilà. Et puis, elle a quand même fini par aller chez le médecin, et puis voilà. Mais c'était compliqué, hein, j'illustre ça de ce propos, parce que ça montre un petit peu le côté contrôle, les sujets de santé, donc ouais. J'espère qu'on va pas nous ramener l'affaire du Covid sur le tapis, avec des masques pour tout le monde, et il faut avoir peur. Bon, là, ils sont plus sur Israël en ce moment, là, vu les événements qui se sont passés, donc on peut pas... C'est comme quand on a un bras, on peut pas... Si on se pince à deux endroits en même temps, on a mal qu'à un endroit. Donc on peut pas trop multiplier les sujets pour que les gens aient peur. Donc après, évidemment, les événements, voilà, personne n'a demandé ce qui se passe en Israël et en Palestine. Personne n'a demandé qu'il y a une nouvelle maladie qui arrive. Bon, on sait trop d'où, du pangolin, de la chauve-souris, visiblement, ou non. Bon, un autre débat. Mais voilà, bon, après, la souffrance est la souffrance, les gens ont des peurs qui existent et qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas mettre sous le tapis. Après, c'est bien d'essayer de comprendre la raison, justement, de ces peurs ou de cette volonté de contrôle. Et en fait, Vénus, elle est pas bien, par exemple, dans le signe de la Vierge, et la Lune noire, elle rentre dans le signe de la Vierge un peu au moment où Vénus est aussi dans ce signe. Vénus est en chute dans le signe de la Vierge. Vous voyez ici sur cette carte, les deux sont ensemble. Donc c'est un peu un moment où finalement, c'est un peu compliqué, ce mois d'octobre 2023, parce que Vénus, c'est une planète de sensation qui n'aime pas trop bien quand on la contrôle ou quand on la met dans des tiroirs un petit peu trop petits. Vénus, c'est une planète qui aime être bien, voilà, elle aime bien qu'on lui foute la paix, elle aime bien être en harmonie avec ses semblables, voilà, c'est le but, c'est la quête. Et la Vierge, elle veut un peu contrôler, elle veut savoir mais pourquoi tu es bien avec tes semblables, d'où ça vient, pourquoi tu es bien dans ton précaré, comment ça se fait, il faut essayer de comprendre, d'analyser, et puis oh là là, mais si tu es bien dans ce précaré-là, surtout, va pas dans l'autre précaré, sinon je pourrais pas contrôler où tu es, je pourrais pas analyser les choses. Donc il y a ce côté contrôle qui est un peu embêtant, moi qui m'embête un petit peu, qui s'est retranscrit dans cette histoire-là de médecin un petit peu bizarre. J'espère que c'était juste un épiphénomène, parce que, je sais pas, la dame était
de mauvaise humeur ce jour-là. Mais voilà, que ça se généralise pas, sinon je vais être tout déstabilisé et je serai pas content, et peut-être vous aussi. Donc après on verra hein, comment cela va s'avancer. Donc la période, alors les périodes pour vous dans votre thème natal, où vous pouvez être concerné par le passage sur les 9 prochains mois, octobre 2023, avril 2024, de la lune noire dans le signe de la Vierge. On a les personnes qui ont Pluton en Vierge, donc globalement, c'est les personnes qui sont nées entre 1957 et 1972. Donc vous allez avoir la lune noire qui passe sur votre Pluton. Pluton, bah, c'est des transformations fondamentales justement dans les manières de faire, dans les manières de vous comprendre, dans les manières quelque part de canaliser vos espoirs, vos idéaux, vos croyances. Donc vous regardez déjà où vous avez la Vierge en maison, dans quelle maison se situe la Vierge, donc dans quelle maison va transiter la lune noire en Vierge, et les moments éventuellement où la lune noire va passer aux approches de votre Pluton natal. Et là, ça peut éventuellement titiller une ombre de la Vierge, donc peut-être des codes de fonctionnement qui vous conviennent pas, ou vous qui êtes trop un peu étriqué dans des tiroirs trop petits, hein, ça peut être de votre fait aussi, et puis qui peut-être des transformations assez fondamentales justement de vos manières de faire, ou un problème avec la manière de faire actuelle dans le domaine de maison où vous avez la lune noire. Si vous avez par exemple Uranus dans le signe de la Vierge, ça c'était vous êtes né entre 1962 et 1969. Donc Uranus dans le signe de la Vierge, ça veut dire qu'il y a des grosses évolutions, il y a une notion peut-être de révolution personnelle à faire valoir ses propres codes de fonctionnement. Donc quand on arrive à finalement agir au nom de non, cette méthode-là que j'ai subie depuis que je suis jeune, ça suffit. Moi, je fais comme ça, ça me correspond plus. Donc ça, c'est le côté un peu révolte uranienne dans le signe de la Vierge. Et donc vous, là, vous allez pouvoir avoir éventuellement, à un certain moment, puisque la lune noire fait l'essuie-glace, elle va passer plusieurs fois sur votre Uranus. Il faudra un petit peu regarder sur les cartes, sur Astrothème, Astrodinst, ou je sais quoi, quel logiciel vous utilisez, les moments où la lune noire va transiter sur votre Uranus. Elle passera plusieurs fois pendant la période d'octobre 2023 à avril 2024. Et il y a le spécial, le double effet qui se coule pour les personnes qui sont nées entre 1965 et 1966. Là, vous avez cette conjonction générationnelle, Uranus et Pluton en Vierge. Donc là, vous allez être doublement concerné par l'effet un peu ombrageux de la lune noire, mais qui demande à creuser pour révéler des choses et toujours être guidé pour solutionner cette ombre que vous pouvez peut-être ressentir ou que les autres voient sur vous, parce que une lune noire peut aussi être inconsciente, il faut aller voir du côté des poissons. Pourquoi vous avez besoin d'organiser les choses de telle manière? Pourquoi vous avez besoin d'analyse? Pourquoi vous analysez les choses de cette manière? Pourquoi au nom de quoi vous avez besoin de vous sentir utile? Au nom de quelles espérances? Au nom de quelles croyances? Vous voyez, faut chercher le fond de la forme. Il y a un problème dans la forme, il faut comprendre finalement quel est le fond des choses, le pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous les rendez concrètes et pragmatiques. Et c'est en comprenant le pourquoi que vous allez pouvoir savoir le meilleur mode de fonctionnement à adopter. S'il y a Pluton-Uranus pour les personnes nées dans les années 60, ou que Pluton ou que Uranus, d'ailleurs il n'y aura pas que Uranus puisque Pluton couvre l'ensemble de la période, donc les Pluton-Uranus ou que les Plutons, dans le signe de la Vierge, il y aura un truc à faire évoluer. Donc il faut voir peut-être que vous avez aussi, vous, évolué en avançant dans la vie, dans vos espoirs, dans vos aspirations. Peut-être que vous avez de nouvelles choses que vous avez envie de faire. Donc éventuellement, du coup, il y a un fonctionnement qui peut être généré, qui peut être différent par rapport à ça. Donc il y a les Saturnes en Vierge. Alors eux, c'est à vue de pied une vache près, hein. Je ne suis pas aux dates exactes. Donc c'est à peu près entre ceux qui sont nés entre la mi-1978 et septembre 1980. Ça, c'est des personnes qui ont Saturne en Vierge. Donc c'est des personnes qui, à un moment donné, ont dû mettre du temps pour trouver leur propre code de fonctionnement. Et ils ont pu être éventuellement pendant longtemps soumis à une sorte d'autorité qui leur disait comment faire, hein, et où aller, comment c'est qu'on est utile, et voilà, une idée qui restreint et qui limite la capacité à trouver ses propres codes de fonctionnement. Peut-être que la lune noire va vous faire des revivals par rapport à ça, donc va ramener à votre mémoire ce côté « Oh là là, mais il y a une autorité qui me force à faire les choses d'une certaine manière, et puis j'ai pas nécessairement envie. » Donc orientez toujours vers le fond des choses, le pourquoi vous faites les choses, qui vous permettra de vous guider vers le comment faire les choses.
Et donc ça c'est Saturne en Vierge, mi-78 à septembre 80, les personnes qui sont nées là, ou les personnes qui sont nées entre septembre 2007 et novembre 2009, avec, ou alors il y a un passage de Saturne quelques mois en 2010. Pour les personnes qui ont un nœud lunaire nord en Vierge, donc vous devez aller, votre destin karmique vous amène vers ça. Et donc vous avez un axe qui va correspondre entre la Vierge et le Poisson, c'est-à-dire que vous avez votre nœud lunaire sud en Poisson qui va être la source avec laquelle vous arrivez pour vous diriger vers une manière de fonctionner, une manière de diriger ses aspirations profondes et ses croyances. Votre destin karmique vous amène là. Là, la lune noire, elle va souligner une petite épreuve, un petit souci par rapport à l'endroit où vous devez aller, par rapport à cette manière d'organiser, de faire les choses, de rendre les choses pragmatiques, vos espoirs et vos idéaux pragmatiques, concrets, hein, et de les diriger quelque part et d'en faire quelque chose de concret qui va aller vers une énergie de service ou de soin ou qui va vous permettre de vous sentir utile. Donc, vous devez aller vers ça et là, il y aura peut-être des petites ombres dans la manière de faire. Donc vous regardez aussi dans le transit, mais quand la lune noire va circuler sur votre nœud lunaire nord. Et puis après, vous regardez évidemment le placement, ça je le dis pour tout le monde, vous regardez à chaque fois le placement de Mercure, qui bouge assez vite sur le zodiaque, puisque Mercure maîtrise la Vierge et que Mercure va maîtriser la lune noire. Donc faites toujours le lien entre quand vous avez la lune noire sur une de vos planètes en Vierge, ou vos placements astrologiques, regardez où se situe Mercure, est-ce que Mercure est en carré à ça, dans quel signe se trouve Mercure, parce qu'il y aura aussi un lien, donc dans quel signe, en quelle maison, le positionnement de Mercure aura un lien avec cette lune noire dans le signe de la Vierge, et pourra aussi, comme le point Priap en Poisson, donc le point opposé à la lune noire en Poisson, là où se situe Mercure, ça pourra aussi aider à comprendre des solutions finalement pour faire valoir vos propres modes de fonctionnement. Donc le nœud lunaire nord est en Vierge pour les personnes qui sont nées entre 2015 et 2017, donc ça c'est encore des petits, mais aussi entre 1997 et 1998, les personnes nées entre 1978 et 1979, les personnes nées entre 1960 et 1961. Ça c'est des personnes qui ont un nœud lunaire nord en Vierge et donc qui sont amenées à rencontrer à ce que la lune noire rencontre leur nœud lunaire nord. Sinon, il y a les personnes qui ont une lune noire en Vierge, donc c'est lune noire sur lune noire, hein, donc il y a un double effet d'ombre en Vierge qui vient, donc c'est une révolution de nœud lunaire pour vous qui arrive à peu près tous les 9 ans, donc il y a vraiment une épreuve qui ou des épreuves qui peuvent potentiellement se présenter dans l'ombre de la Vierge, donc des codes enfermants qui viennent des autres ou qui viennent de vous. Donc il faut comprendre pourquoi finalement vous avez besoin de ranger ou les autres ont besoin de ranger pour vous. Et voir en quoi ça correspond au fond des choses que vous avez en vous, à vos espoirs à vous, à vos idéaux à vous, à vos croyances à vous, à ce qui vous inspire, à ce à quoi vous aspirez vous-même et pas nécessairement les autres. Après, on peut avoir les mêmes aspirations éventuellement, mais avec la Vierge, il faut distinguer ce qui est l'ordre du contenant, donc là, le monde autour de vous, et du contenu, ce que vous voulez insérer de vous dans ce monde environnant. Et donc là, les personnes qui sont nées avec une lune noire en Vierge sont nées autour de 1961, autour de 1970, autour de 1979, autour de 1988, autour de 2006, autour de 2014-2015. Et aujourd'hui, globalement, pour 9 mois, la lune noire sera dans le signe de la Vierge et soulignera l'ombre du signe de la Vierge. Alors, maintenant, je vais vous montrer juste quelques cartes qui peuvent être intéressantes pour célébrer cette venue de la Lune Noire. Alors, la Lune Noire, elle arrive, elle rencontre Vénus. Ça, c'est par exemple, c'est la conjonction exacte de la Lune Noire et de Vénus. C'est le 17 octobre à 2h du matin, 17 octobre 2023. Donc là, par exemple, vous regardez à chaque fois. Bon, j'ai une Lune Noire, donc ça, c'est le transit. Et vous comparez ce transit à votre thème natal. Donc ici, vous avez la Lune Noire Vénus, donc vraiment le fait de qui vient souligner, qui vient encore mettre une ombre supplémentaire au fait que déjà que Vénus n'est pas bien dans le signe de la Vierge, parce qu'elle n'aime pas se sentir trop contrôlée, Vénus, et en même temps, ça permet justement le signe de la Vierge, et c'est le bienfait d'une planète en chute, ça challenge l'énergie de la planète, et ça permet d'aller fouiller, d'aller mieux la comprendre, ici, mieux comprendre son bien-être, mieux comprendre sa manière d'être bien, ce à quoi on adhère, pourquoi, on essaie d'analyser ça avec le mental de Mercure, et derrière, ça peut éventuellement mais permettre de diffuser ces messages vénusiens de manière plus organisée, de manière plus rationnelle et de manière plus concrète. Donc voilà, une planète en chute, il ne faut pas paniquer. C'est justement un truc à travailler, mais qui permet peut-être d'avoir la belle énergie de la planète plus en conscience. Et ici, pour le cas, c'est Vénus. Donc, quand vous regardez ça, vous regardez si vous avez des planètes qui se trouvent dans le signe de la Vierge. Là, c'est 7 degrés 08 de la Vierge. Donc, est-ce que vous avez des choses à 7 degrés des 08? Puis, vous pouvez regarder autour. Est-ce qu'il y a des planètes dans votre thème ou dans le transit qui sont à peu près
aux alentours de 7 degrés qui formerait un aspect ici. Donc là, bah, voilà, il n'y en a pas nécessairement ou pas des proches. La plus proche, on pourrait dire, bon ben là, on a par exemple Mars qui est à peu près en sextile, mais Mars est à 3 degrés, la Lune, le Vénus, Lune Noire à 7 degrés, donc c'est pas un sextile extra serré, mais bon, il existe quand même, et il peut faire le lien donc entre le Scorpion qui cherche la vérité au fond des choses, et la Vierge qui vient ben, mettre ça, ordonner ça, ranger ça dans l'univers du mental, de l'intellectualiser, donc qui aide à comprendre peut-être ces vérités qu'on a au fond de nous, dans les situations qu'on vit. On a un Mars en maison 3, par exemple, alors qu'on a Vénus, Lune Noire en maison 1. Donc finalement, ben, comment on se comprend, nous, dans l'environnement qu'il y a autour de nous, et comment on creuse une certaine vérité de soi pour se comprendre soi, et ça, dans toute sa vérité, dans l'univers, au sein de l'univers dans lequel on est inséré, dans son univers local et dans sa manière d'interagir avec les autres autour de nous. Et vous pouvez interpréter comme ça. Alors vous avez la Vierge dans votre thème natal dans une maison, et vous avez peut-être des planètes en Vierge, donc vous comparez les énergies et planètes à tout ça. Ça c'est donc pour... ça c'est le... je ne sais plus combien octobre... le 17 octobre à 2h du matin. Donc Vénus va rencontrer la Lune Noire. Donc ça va souligner peut-être une Vénus qui peut ne... dans le collectif, pas se sentir hyper bien. Donc après, je dis ça, je dis 7 degrés de la Vierge, vous regardez à 7 degrés des poissons aussi, parce que c'est le point Priap. Donc peut-être que vous avez aussi des planètes qui peuvent générer une solution pour trouver les bonnes manières de fonctionner pour vous, parce que visiblement, il y a un problème, il y a peut-être des manières de fonctionner avec Vénus Lune Noire qui ne vous correspondent pas forcément, qui font que ben, vous n'êtes pas nécessairement hyper bien avec cette manière de faire, donc il faut en chercher une autre qui correspond à vos idéaux, à vous. Et si vous regardez en maison, par exemple, où se trouve la Vierge dans votre thème natal, ou les poissons éventuellement, pour essayer de comprendre d'où peut venir ce problème qui fait que... Voilà, vous n'allez pas nécessairement vous en rendre compte, mais il y aura peut-être quelque chose qui... ce truc-là, ça pue, j'aimerais mieux faire autrement. Donc ça, c'est le 12 octobre. On a, je vais passer en revue certains moments où la Lune Noire, justement, va transiter en conjonction à d'autres planètes. On a par exemple ici le 29 octobre, donc Vénus, comme la Lune Noire, elle fait l'essuie-glace, ben, quand il y a une planète qui transite en Vierge, eh ben, elle va rencontrer plusieurs fois la Lune Noire. Ici, vous avez la Lune Noire, alors j'ai paumé la date, le 29 octobre, exactement à 21h56, si vous voulez faire la carte, vous avez Vénus et la Lune Noire qui transitent ici, près du fond du ciel. Le fond du ciel, d'où on vient, les racines, parfois correspondantes aux endroits d'où on vient, parfois aussi à la notion de famille, de cocon, hein, d'où on vient au sens famille, hérédité, tout ça. Donc la base, quelque part, le QG. Donc là, ici, on a le Vénus et la Lune Noire proche de ce fond du ciel. On a, par exemple, si vous faites des aspects, ben, on a un sextile avec l'ascendant Cancer, donc il y a quelque chose de très peut-être famille, hein, comprendre comment on se sent bien parmi ses proches, comment on se sent bien avec soi, donc le 29 octobre à 21h56, comment on est bien avec soi-même, comment on est bien avec ses proches, comment on fait le lien entre les deux, quelque part. Là, ici, on est à 19 degrés, donc on est encore dans la maison 2, on est entre la maison 2 et la maison 3, donc on est entre la manière de mener sa vie et la situation dans laquelle on se trouve et d'où on interagit avec les autres. Donc là, ça peut souligner ça. Je ne vais pas développer les cartes plus que ça, c'est juste pour vous montrer comment on peut interpréter. Donc vous regardez, mais par exemple ici, 19 degrés, là, les deux planètes, Vénus et la Lune Noire, se rejoignent à 19 degrés. Est-ce que vous avez des planètes proches de 19 degrés pendant cette conjonction? Est-ce que vous avez des planètes proches de 19 degrés en poisson? Ici, par exemple, on a le milieu du ciel qui n'est pas loin. Donc il peut aussi y avoir un lien avec votre expression sociale ou ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie sociale. Donc ça, c'est des dates, voilà, qui peuvent être importantes dans ce transit de la Lune Noire. Donc on a le 17 octobre, on a le 29 octobre pour Vénus. Ensuite, c'est fini, Vénus ne sera plus en lien avec la Lune Noire. On aura ensuite Junon. Donc Junon, ça c'est le 3 novembre. Junon rentre dans le signe de la Vierge un petit peu avant. Et le 3 novembre, Junon va rencontrer la Lune Noire. Donc là, il s'agit du lien des attachements avec les proches, le couple éventuellement, ou des personnes qui sont proches de vous, à qui vous associez, les liens affectifs, les attachements. Quand on parle d'attachement avec une Lune Noire, forcément, il y a des choses auxquelles on est attaché, genre ligoté, et bah, il faut essayer de comprendre bah, comment finalement on fonctionne d'une manière parce qu'on est attaché à des gens. Et bah, peut-être que en fait c'est pas pratique parce que bah, quand on veut se faire un café et qu'on a quelqu'un qui est attaché dans son dos, et bah, c'est plus difficile de se déplacer. Alors il faudrait comprendre d'où ça vient et est-ce que ça correspond avec le Priap en poisson
à ce que vous avez envie de faire. Est-ce que ça correspond ici, c'est en maison 12, donc quelque chose qui pèse en vous dans vos émotions, par rapport aux attachements, aux personnes à qui vous êtes attaché, avec qui vous êtes l'affection éventuellement, le couple, ou des personnes avec qui vous êtes lié même contractuellement. Comment ça pèse dans vos émotions, comment ça pèse sur vos manières de vous comprendre vous. Et finalement, bah, pour prendre conscience de ce point-là, et bien, il faut comprendre finalement mais qu'est-ce que vous avez envie de faire au quotidien. Est-ce que vous vivez un quotidien dans lequel vous êtes bien et qui correspond à finalement ce dont vous avez envie. Voilà, ça c'est une manière de l'interpréter. Donc on regarde toujours les planètes qui sont... Alors je dis les planètes en vierge, donc ici c'est 6 degrés de la vierge ou 6 degrés des poissons, mais vous regardez aussi sur l'ensemble du thème, que ce soit dans le transit ou que ce soit dans votre thème natal, si vous avez des planètes qui sont à 6 degrés de la vierge. Par exemple, moi je dis, tiens, c'est l'ascendant de ma femme, 6 degrés de la Vierge, donc je note la date. Quand est-ce qu'elle va me faire chier, elle? Le 3 novembre, bon ben voilà, le 3 novembre, ma femme va me faire chier, bon ben j'ai fait un nœud dans mon mouchoir, je le note dans mon calendrier, et puis comme ça je pourrais anticiper les choses, non, je t'ai vu venir toi, je sais que tu vas me faire chier. Donc je vais me préparer mentalement pour être vraiment très 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 aimable, et comme ça ce sera impossible quelque part, je serai tellement gentil, on ne pourra pas me faire chier, vous voyez, je rigole un peu avec ça, mais c'est une manière d'anticiper, de connaître un peu les transits. Et j'aime beaucoup ma femme, et c'est une blague évidemment, mais bon, c'est possible qu'elle me fasse chier, hein, c'est possible que je la fasse chier aussi, donc on va voir, je vous raconterai peut-être. Non, on n'est pas sur, voilà, je ne suis pas un TikToker ou je ne sais quoi. Donc le 19 novembre, nous avons... non, parce que j'ai vu une vidéo, là, j'ai vu un reportage sur les gens qui exposent leur vie sur les réseaux sociaux et qui montent leur gamin, là, c'est horrible, quoi, punaise, le gamin, il va chier, les parents, ils le filment, ils postent sur Instagram, c'est ouf, quoi, comme concept, enfin, voilà, bon. Je veux bien faire ça avec mon chat, éventuellement, parce que c'est vrai que je pense qu'elle a une vie qui mériterait qu'on la voie, parce que je pense que mon chat est un exemple pour tous, que si tout le monde se comportait comme mon chat, le monde irait mieux, voilà, et puis on mangerait tous dans des gamelles, et on passerait notre journée à dormir, et puis pourquoi pas, voilà. Donc le 19 novembre, on continue, la lune noire est sur Junon, donc ça va révéler encore peut-être, voilà, c'est cette ombre du lien, des attaches qu'on a éventuellement avec les autres, donc à chaque fois on regarde où ça se situe, vous voyez, c'est pas la même lune noire Junon, parce que bon, déjà elle n'est pas au même degré, ici par exemple elle est à 12 degrés, mais vous voyez elle arrive sur une maison 7, hein, donc là on avait la maison 12, donc c'est en nous que ça nous dérange la manière de fonctionner avec les autres, avec les gens avec qui on est attaché, mais ici c'est dans ce qu'on projette de nous vers les autres, donc là il s'agit vraiment de vie de couple par exemple, ou de manière de faire des choses avec les autres, de faire des choses avec avec les gens qu'on aime, avec les gens avec qui on est attaché, donc voilà, c'est une autre manière d'interpréter, je vais pas aller plus loin dans l'interprétation, je vais juste vous donner les dates, donc on a pour Junon lune noire, on a le 3 novembre, on a le 19 novembre, on a, je me suis fait chier à regarder toutes les dates là, alors, donc notez dans vos agendas, on a le 30 novembre, lune noire Junon, on a le 31 janvier, lune noire Junon, on a le 24 février, lune noire Junon, et alors celle-là elle est particulière parce qu'il y a un quinconce de Chiron et un quinconce de Vertex, donc là cette configuration-là elle fait une figure iode, elle est intéressante celle-là, donc ça c'est le 24 février, c'est juste après le 19 février, et la fameuse conjonction Chiron-Lunaire Nord qui se trouve dans le signe du Bélier. Et cette conjonction-là, donc, qui pour moi est marqueur de crise financière, alors pour si vous voulez aller faire un tour sur AstroKaka, j'en ai parlé, par exemple vous allez sur voilà, Astro Prévision 2024, et puis sinon il y a une autre vidéo qui en parle, mais elle est très ancienne, parce que ça fait très longtemps que je dis qu'il y a une crise financière, c'est celle-ci, est-ce qu'on la voit? Ben non, on la voit même pas, bon, il y a une vidéo sur la crise financière, que j'avais fait en mars 2022, je crois, bon, il y a longtemps. Et sinon, là, vous allez sur la vidéo qui est plus récente, Astro Prévision 2024, où j'en parle aussi. Donc, potentiellement, une crise financière à peu près en février 2024, et c'est à cause de cet aspect-là, qui est ici, en quinconce à Junon lune noire, et l'autre quinconce de la figure iode, donc beaucoup d'énergie qui arrive ici, donc qui arrive là,
Donc il y a vraiment moyen le 24 février, c'est 10 jours après la Saint-Valentin, d'avoir vraiment une quête d'identité par rapport à ce qu'on fait avec les autres. Éventuellement, il y a des manières de fonctionnement qui peuvent se confronter un peu avec sa moitié ou avec des personnes avec qui on est lié. Et ici, ça se lit d'un côté, alors c'est 15 degrés, vous regardez toujours les degrés, ça se lit d'un côté au point vertex. Le point vertex, c'est une idéalisation de l'autre. L'autre en verso, donc on idéalise l'autre comme quelqu'un d'indépendant, comme quelqu'un de libéré, comme quelqu'un qui se comprend, qui se fait comprendre, qui se fait comprendre, qui innove. Alors peut-être dans cette capacité d'innovation, toutes les innovations des personnes avec qui on vit, elles ne correspondent pas nécessairement, ou leur quête d'identification ou d'individualisation, elles ne correspondent pas forcément à notre manière de nous comprendre dans le couple, et ça peut éventuellement raviver certaines blessures. Bélier, donc de blessures de confrontation, donc effectivement c'est un thème à se prendre le chou le 24 février 2024. Et puis en plus vous voyez il y a la lune qui est près de l'ascendant, donc là enjeu émotionnel à faire correspondre finalement ce qu'on est nous et sa manière de s'organiser, de se ranger, de se comprendre quelque part et de s'utiliser ou de se rendre utile. Donc quand il y a la lune qui est un peu confrontée à du bélier, les émotions elles sont un peu confrontées aussi. Donc samedi 24 février, attention à cette date. J'y reviendrai peut-être dans des vidéos quand on approchera des dates. Je ferai peut-être des vidéos spécialement là-dessus. Peut-être le 24 février, ça vaudra le coup. Et ensuite, le 7 mars, toujours Junon, lune noire. Et le 21 mars aussi, Junon, lune noire. Alors le 21 mars, oui voilà, elle est ici. Oh punaise, j'ai mis rond là. Voilà. Junon lune noire avec la part de fortune, donc intéressant, dans la maison 8, une idée de peut-être changer certaines manières de faire avec l'autre et puis avec des circonstances favorables, donc peut-être on a des bonnes circonstances pour y réussir à changer nos manières de faire dans ce qu'on fait avec les autres, enfin voilà. Ensuite on a le 20 juin, alors c'est à peu près jusqu'en avril, la lune noire en vierge, mais elle va refaire quelques petits coucous à la vierge après, donc par exemple le 20 juin, d'ailleurs le 20 juin c'est la fête nationale du Groland, du 20 du juin c'est le 20 juin, donc là par exemple elle est ici, là en maison 11, lune noire Junon, et puis on a le 27 juin aussi encore, et ce sera la dernière fois, voilà, donc vous aurez résolu, j'espère, tous vos problèmes avec les gens que vous aimez et pour qui vous avez de l'affection. Le 27 juin, voilà, puis après ce sera fini, la lune noire passera plutôt du côté balance, et la lune noire rejoindra plus Junon avant une bonne quinzaine d'années. Mais bon, lune noire Junon, ça veut dire que globalement, dans vos affaires avec les gens que vous aimez, avec les gens avec qui vous êtes liés, il y a des manières de fonctionnement qui vont peut-être un peu peser, qui vont amener peut-être les gens à pas trop comprendre comment l'autre fonctionne. Toujours savoir prendre le baromètre de qu'est-ce que vous avez envie de faire avec les autres, qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre couple, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec les gens avec qui vous êtes liés. C'est le fond qui doit vous guider, c'est le fond qui doit conseiller la manière de faire qui visiblement est un petit peu tiraillée en vierge. Voilà, bon, je vais vous laisser avec ça. Alors si évidemment vous inquiétez de la lune noire qui passe en vierge parce que vous avez des planètes en vierge ou vous avez des planètes en poisson ou vous avez des planètes éventuellement en carré à la vierge. Donc en carré à la vierge, c'est les planètes en... carré à la vierge, c'est les... c'est Scorpion, Sagittaire, c'est Sagittaire par exemple, voilà. La vierge et Sagittaire, c'est en carré. Et la vierge et... et c'est pas le bélier, le lit... Non, pas le lion. On va aller voir sur la carte, voilà. Comme ça, vous voyez comment on sait qu'une planète est en carré ou pas, sinon je m'embrouille. Donc la Vierge, elle est en carré au Sagittaire et elle est en carré aux Gémeaux. Voilà, donc si vous avez des planètes en Gémeaux aussi importantes ou en Sagittaire, l'axe des communications, on en a un petit peu parlé avec la Lune Noire Junon aussi, réussir à se comprendre avec Lune Noire Vénus, avec ce qu'on aime ou avec sa manière, se comprendre soit dans son bien-être et sa manière de s'aimer, ça c'est pour octobre. Octobre 2023, et puis savoir finalement se comprendre dans ce qu'on avec les gens pour qui on a de l'affection ou du lien, ou par rapport à son couple par exemple, savoir se comprendre, donc la communication aussi. Donc si vous avez des planètes dans l'axe des communications Vierge, Sagittaire, Gémeaux, ça peut être aussi intéressant de savoir dans votre thème natal comment va se comporter votre lune noire, et à ce moment-là, c'est une des manières de faire
On peut aller voir son astrologue. Alors, moi, je suis astrologue, si vous voulez. Il y a plein d'autres astrologues qui sont très sympas et très compétents. Et donc, si vous voulez aller me voir moi, par exemple, vous, voilà, vous m'appelez. Vous allez sur mon adresse mail, vilnusmarcel@gmail.com. Vous allez directement sur le site. Vous pouvez me commander votre thème natal, votre thème en transit. Voilà, où on peut faire une consultation éventuellement. Vous regardez les créneaux que j'ai disponibles. Et si vous avez une question, vous m'appelez sur vilnusmarcel@gmail.com. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une excellente lune noire, parce que finalement, quand un problème est souligné, bah, c'est qu'on a peut-être un moyen dans cette période de résoudre quelque chose qui pèse depuis peut-être longtemps, depuis avant le passage de la lune noire en vierge. Et la lune noire vient souligner quelque part le fait qu'il faut maintenant se pencher sur nos manières de fonctionner, sur celles qui nous correspondent et sur celles qui ne nous correspondent pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.